La Web Academy, donc c'est une formation qui dure 24 mois. La première année, c'est une formation assez intensive aux principales technologies web, avec notamment tout ce qui est HTML, CSS, PHP, Java, React, mais aussi aux technologies mobiles, avec Cordova et Ionic. La deuxième année, donc les étudiants approfondissent des connaissances et apprennent de nouvelles technologies, notamment tout ce qui est Java J2E, Node.js, C# et Angular aussi. La force de cette formation, vraiment, c'est la professionnalisation, puisque la deuxième année s'effectue en alternance, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Alors, nous formons au métier de développeur web et d'applications mobiles avec de nombreuses technologies, ce qui permet de développer notamment des compétences en architecture logicielle et de pouvoir aussi s'adapter aux technologies émergentes. À la fin du parcours, c'est un titre d'intégrateur développeur web de niveau 3 qui est délivré. Pour candidater à la Web Academy, il faut avoir minimum 18 ans, maximum un bac plus 2 et être inscrit au Pôle emploi. Donc après, il y a un processus de sélection en plusieurs étapes qui est mis en place. Une des spécificités d'Epitech, c'est d'apprendre à travailler ensemble. On recherche donc des personnes qui ont envie d'apprendre et de partager leur progression avec les autres. Alors, la Web Academy, c'est une formation qui est ouverte à tous et à toutes. Elle est basée sur une pédagogie originale, active et inductive, qui est d'ailleurs pratiquée depuis des années à Epitech. Les retours sur cette formation sont très positifs, puisqu'il y a 96% de nos certifiés qui sont en emploi. Les entreprises sont très satisfaites de nos étudiants, puisqu'elles apprécient particulièrement leur capacité à s'adapter très rapidement aux technologies de l'entreprise. We'll be right back.